大吉よーい全力疾走いきなり走るのかよ。おい待てよ。もっと早く私の勝ちだ。Summer 1975. A nightmare awaits me. I am being recalled to Nocturne headquarters. Do I have to go back to the hell again? Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, un Superplay un peu particulier, un Superplay live avec Neo Forever. Salut. Salut Adrien. Alors, sur quel jeu tu vas nous faire une démonstration aujourd'hui ? NAM 1975 sur Neo Geo. D'accord, donc un jeu, le premier jeu de la Neo Geo d'ailleurs. Sorti en 90. Voilà, pas tout jeune. Quel est ton objectif là ? Alors l'objectif c'est de faire un crédit, un one crédit avec un score correct. Correct, parce qu'on peut, le dire quand même, t'as légèrement un score qui envoie du pâté, enfin le record du monde. Donc... Là, c'est parce que bien sûr, on est en live, donc c'est pas forcément évident, c'est même quasiment impossible de ressortir un tel score. Et donc, tu vas tenter de nous faire un joli petit score quand même. On va essayer. Ok. Bon, allez, je te donne un crédit et on va lancer la machine. D'accord. Allez, gratuit. C'est parti. Ok, donc là, il va y avoir le haut to play. Alors, A pour tirer, B pour les grenades, et C pour courir droite-gauche ou faire des esquives, ouais. Donc diagonale, bas, gauche-droite. D'accord, c'est les roulades que tu vas faire pour esquiver des pour tirs. Pour esquiver les tirs ennemis qui arrivent. Parce qu'il faut à la fois viser et esquiver, sauf qu'en fait on dirige et son réticule de visée et son personnage avec les mêmes sticks. Donc c'est un petit peu complexe au départ comme prise en main, mais on s'y fait. Ouais. Donc là, on va lancer la run. Donc là, comme on voit, on a la cible. Donc sur un plan ennemi, en fait. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, il y a trois plans. Ouais. Alors il y a la plan, le plan des ennemis. Dans le fond. Donc là, il y a avion, hélicoptère. Et des bonhommes pas bonhommes. Des bonhommes, des murs. Ensuite, il y a le plan de la cible, hein, donc qui est au milieu, finalement. Et puis, il y a le plan du bonhomme qu'on doit déplacer pour esquiver les coups, quoi. D'accord. Et donc quand tu maintiens le bouton tir, tu ne déplaces que ton viseur. Ouais, alors là on voit je reste appuyé sur le bouton tir. Donc on peut rester appuyé quasiment tout le long du jeu sur le bouton tir. Enfin là c'est le premier niveau, c'est assez tranquille, mais on va voir que ça va vite se charger en tirs ennemis. Ouais, les deux premiers niveaux sont corrects. Le troisième un peu plus... Il y a des techniques de placement. Puis à partir du quatrième, ça commence un peu à chauffer. D'accord. Puis sixième, c'est un peu l'enfer. Il y a six niveaux au total ? Il y en a six, ouais. Avec des stages bonus entre les niveaux. D'accord. Alors là, attends, il y a un truc, là, voilà le bateau. Alors là, il faut essayer d'avoir les bonhommes sur le bateau, ça rapporte des points. Là. Voilà. D'accord, donc là, tu tues d'abord les bonhommes et ensuite le bateau, voilà, c'est ça ? Voilà, après j'ai le bateau. Sinon, on peut tuer le bateau tout de suite, hein. Tiens, je vais te montrer, hop. Là, on tue le bateau tout de suite. D'accord, un coup de grenade. Voilà, mais là, je double puissant points. D'accord. Donc les hélicos, là-haut, c'est 1000 points, il me semble, un truc dans le genre. Les bonus qu'on récupère, c'est des bonus qui sont dans les bonhommes ou dans les avions. Donc ils peuvent larguer des bonus ou des bombes ou des grenades ou des bombes à fragmentation. Ouais. Donc c'est toujours c'est scripté. Ok, donc pas de random là-dessus. Pas là-dessus, il y aura du random sur les murs à un moment. Certains bonus au niveau des murs et des panneaux publicitaires. Enfin, panneaux publicitaires, si on peut appeler ça des panneaux publicitaires. Là, c'est... Et dans le stage 3 aussi, à un moment, les bonus sont random. Alors des fois, on peut avoir des 2000, des 5000, des 10000. C'est vraiment, c'est jamais pareil. Hein. Ok. Mais là, sur les bonhommes, c'est toujours les mêmes bonus. Bon, c'est déjà ça. Ouais, donc là, on peut se baser sur... Enfin, celui qui veut faire un peu de scoring là-dessus, là, histoire de, il peut se baser là-dessus, hein, c'est toujours les mêmes. Puis là, c'est assez simple, enfin, simple dans le sens, il faut tuer tout le monde pour faire un max de points, quoi. Ouais. C'est n'en laisser passer personne. D'ailleurs, j'imagine, des fois, il y a des bonhommes qui doivent apparaître et s'en aller très rapidement. Si on veut vraiment tous les avoir, ça demande un sacré par cœur. Les mecs du fond, là, qui courent, hein, eux, alors eux, ils vont assez vite, quand même, donc... Ouais. Donc voilà. Alors après, ouais, il y a pas mal de par cœur. Hein. Ouais, j'imagine. J'imagine. Bah, comme dans un shoot'em up, il doit y avoir des patterns. Ouais, c'est ça. Des ennemis qui arrivent dans un certain ordre, il faut pas se faire coincer. Ouais, non. Alors là, en fait, il y a une technique. Là, faut tirer sur le gros personnage en premier. Parce qu'en fait, lui,
Lui, il va te rapporter un bonus 3000. D'accord, il y a un ordre... Ouais, parce que si tu tues le petit là-haut en premier, t'as pas le bonus, parce qu'en fait, après tu tues le gros en deuxième, et après l'écran s'arrête, le stage s'arrête. Donc le 3000, il a pas le temps de venir sur l'écran, en fait. Ah, c'est un truc tout con, mais bon. Faut le savoir. Voilà. Donc là, tu vois, je peux le récupérer. Ok. Alors que l'autre, sinon, l'écran sera arrêté après, et puis on sera passé au bonus stage ou au deuxième niveau. Okay. Parce qu'après, là, on va arriver sur... Donc là, c'est le boss, pas trop dur. Pas trop dur, mais il est assez résistant quand même. Ouais, je vois ça. Tu l'as quand même balancé quelques grenades, etc. Donc là, on a les stages bonus, il y en a 4 dans le jeu. Stage 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc, c'est aléatoire. Des fois, on les a, des fois, on les a pas. Ah, c'est aléatoire. Ouais. Ouh. Ça, ça fait mal pour le score. Ouais, donc des fois, on peut en avoir 1, 2, 3, les 4 ou aucun. D'accord. Donc oui, pour scorer, il vaut mieux avoir le tien là ou là. Ok. Donc, pour scorer, il vaut mieux avoir les 4. Donc alors là, ici, il faut tout de suite se concentrer sur les hélicos au-dessus. Sinon après ils sont chiants, hein, ils restent sur toi. Puis là bon après chacun ses techniques. Hein. Moi je décale à gauche, après j'essaie de redécaler à droite là. D'accord. Donc on voit que tu fais des roulades là pour esquiver. Pour esquiver, ouais. Pour esquiver tout ça. Donc on le rappelle c'est diagonale bas plus C, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc là ici il y a un truc aussi, c'est faut essayer de laisser les bonhommes. Parce qu'en fait le camion là qu'on voit là il largue des bonhommes et en fait. Ah, il fait popper des bonhommes. Ouais, voilà, il t'en sort 4-5, hein, je crois. Donc c'est pareil, c'est des petits points, c'est au cas où. Ouais. Pour les gens avides de points. Ouais. Ah, et là, tu viens de libérer une jolie demoiselle. Voilà, alors elle, elle vient dans le jeu naturellement, hein, en tirant sur des ennemis. Donc elle disparaît dès qu'on perd une vie. D'accord. Oh, par contre, là, tu m'as l'air bien armé. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça, c'est un missile qui sert à rien, ce moment-là, en fait. Moi, je l'ai pris, mais bon, c'est pas forcément utile. Donc là, on voit, voilà, les murs, pareil, ça rapporte du point. Faut tout détruire, hein, pour... Ouais, c'est sympa. Histoire d'être sûr. C'est un bon jeu de bourrin, comme il faut. Bon, c'est bien pour se défouler, quand même. Hein. Elle m'a pas l'air très utile, enfin, j'ai l'impression qu'elle tire un peu au pif. Non, là, elle tire dans le pif parce qu'elle est trop loin de moi, là. D'accord, par okay. contre, si je me replace un peu, elle va... Voilà, tu vois, hop, là, elle va s'y remettre bien et là, elle va moins tirer dans, d'accord. dans le vide. Ok. Mais c'est quand même vachement... Enfin, on fait pas gaffe à ce genre de truc, on n'a pas le temps. Mm. Alors là, il y a les blindés, eux, ils sont assez costauds, quand même. Ils leur font un peu plus de tir. Alors, ils meurent d'une façon très virile avec leur chemise qui explose, si j'ai bien vu. Ouais. Ouais, c'est ça, donc 5000 là, pas mal. Donc là, on va arriver au boss moyen, il me semble. Ouais, voilà, boss moyen là, donc la technique, on laisse le viseur au milieu et puis. Normalement, il est pas trop gênant non plus celui-là. Donc là, oui, comme tu dis, la fille, c'est vrai que c'est quand même pas d'une super grande utilité. Hein. C'est anecdotique, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus pour faire style. Là, tout de suite, les bonhommes roses, sinon c'est pareil, après. On cop. Alors en fait, on m'a fait remarquer tout à l'heure que je bougeais le stick comme ça. Ouais. Et en fait, j'ai remarqué que ça permettait de tuer, de gagner du temps sur, par exemple, sur le camion. Là, là j'ai l'impression que je vais gagner du temps en bougeant. D'accord, c'est ta petite strat. Voilà. Alors perso. Si ça fait pas forcément gagner de temps, parce que bon, ça c'est quand même pas prouvé. Par contre, ça me permet de me replacer tout de suite après, d'être prêt pour me replacer en fait, si tu veux. Parce que là, si je m'endors sur le truc, j'ai pas le temps après de. Il vaut mieux pas s'endormir dans le jeu là, quoi. Oui, non. D'ailleurs, t'as dû prendre un power-up puisque maintenant tu as deux viseurs. Est-ce que ouais, alors ça c'est les armes, donc on n'a pas parlé des armes, il me semble. Non. Non, bon, on va en parler. Donc là t'as l'arme simple, l'arme double, la bombe à fragmentation qu'on a là, ouais. Et puis le missile qu'on a vu tout à l'heure. Bombe à fragmentation, faut utiliser les trois et après ton stock de grenades il revient. Ouais. Donc alors lui, c'est boss 2, donc il est. Pas forcément évident lui par contre. Oui mais là, en fait il lance des tirs qu'on voit apparaître puis il te fonce dessus ouais, en même temps. À la vitesse de l'éclair. Alors ici une technique de scoring c'est d'attendre que, qu'il fasse des allers-retours pour larguer des bonhommes l'avion. D'accord. Alors le truc c'est que ça c'est pareil, c'est aléatoire tiens. Voilà largage des bonhommes, impeccable. Donc là ça va faire gagner des points parce que les bonhommes qui tombent ça fait gagner des points. Bombe à fragmentation, donc moi j'ai ma technique la gauche droite. Non mais c'est tout bête voilà. En fait. Ouais mais ça fait quand même là ça fait 3000 points un truc dans le genre. Alors
c'est quand même quand ça joue à pas grand chose pour scorer, parce que ces jeux-là, ça joue à pas grand chose. C'est oui. Des trucs, évidemment, ça faut faire gaffe. Quoi. Surtout vu l'âge du jeu, il y a beaucoup de gens qui ont dû bien le doser. À l'époque, ouais, il y en a eu pas mal, ouais. Bon, alors là, sinon, ce que je fais d'habitude, c'est que j'attends un peu, je cours droite-gauche, j'attends de voir s'il peut me faire débarquer des bonhommes avant que les missiles géants arrivent, parce que si on reste trop longtemps, il y a des missiles géants après qui débarquent. D'accord. Donc, tu le glitches un petit peu, ouais. Mais là, pour éviter des lourdeurs. On... Ouais, sur un boss. Mais c'est juste sur un boss. Hein. Ok. Sinon, il n'y a pas de missile dans le jeu si on reste. De toute façon, on peut pas, il y a scrolling. Donc là, stage 3. Ah, alors là, attends. Parce que là, il y a une vie out là. Donc là, il faut essayer de choper ça. Si je l'ai. Ouais, j'ai eu. Et puis peut-être 5000. Ah, bah j'ai eu. Alors là, je l'ai pas souvent, j'ai eu la vie up et le 5000. Cool. Ouais, ça, c'est pas mal. C'était sur le gros avion. Sur le gros avion, ouais. Timing bizarre en fait, faut rester là où à droite. Et puis. On a vu que tu l'as bien anticipé. Hein, ouais, attendre un quart de seconde à peu près. Enfin, c'est particulier, j'ai chopé le truc moi-même, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand même. Une bataille dans le ciel. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est un peu les stages un peu typiques, hein, tu sais, du dans le ciel avec un avion. Parce qu'en fait, tout le stage, ça va être un avion, là. Donc, c'est un stage, en fait, où t'as juste un avion qui... Alors, j'ai pas des références en tête, mais j'imagine qu'il y a plein de jeux de l'époque où il y avait des stages dans le genre, hein. Obligatoirement. Voilà. Peut-être Air Type, peut-être. Diversifier un petit peu le... Des stages vaisseaux, en fait. C'est un peu ça. On va le voir après, c'est un avion, il reste là tout le long. C'est amusant, ils envoient des bonhommes en parachute alors qu'on est au-dessus des nuages. Ouais, ils ont confiance dans leur atterrissage, moi je dis. Bah, il y a plein de trucs complètement, complètement à l'ouest dans le jeu, hein, de toute façon. Après, on verra, il y a des avions bleus. Enfin, c'est vrai qu'ils ont voulu retranscrire un truc un peu sérieux par rapport au Vietnam, mais c'est quand même pas super sérieux, quoi. Mmh. Mais à l'époque, ouais, c'était quand même avec les musiques, tout ça, ça claquait quand même. La petite mise en scène est sympathique quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc là, on va arriver justement sur ce que je te parlais, donc le vaisseau, stage vaisseau, enfin stage avion plutôt. Et donc là, en fait, le but, ça va être de récupérer les items. Là, il y en a un dans le sigle. Mmh. Là, il se paraît scripté, toujours au même endroit. D'accord. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tire juste un coup. Là, on sait pas si on va avoir des bonus ou des grenades, tout ça. Pour économiser mon... Ah oui, tu économises ton arme que tu as actuellement. Je vais m'en servir après. Je vais t'expliquer. Ok. Ça donc là, tu connais tous les emplacements. Ouais. Mais par contre, donc ils sont un peu random, c'est ce que tu veux. Donc là, ici, il faut que je garde 6 grenades. Dommage. Ah, ouais, j'ai perdu une vie, là. Dommage. Mais fait l'entrée donc, en scène a l'air d'être assez violente pour ce... Ouais, elle était un peu... Pour ce boss. Un peu compliqué, là. Donc voilà, alors du coup, je vais pas mentir rapide évidemment pour ce passage là. Ah oui, donc tu perds ton power up quand même. Ouais, là je perds. Donc, parce que si le but de la manœuvre c'était de. Tout simplement d'étirer et j'en tirais beaucoup plus avec le tir rapide, donc là j'en tire beaucoup moins. Alors je suis pas habitué au live, hein, c'est la première fois que je suis en borne aussi donc. Ouh, non mais pas de soucis. Donc de toute façon, bon, le but c'était un one credit. Ouais. Donc là, ouais, il a été raisonnable. Hein. Donc ouais, lol, bah, c'est toujours pareil, hein. Le but c'est quand même de. Tirer le plus de bonhommes possible. J'ai l'impression qu'ils utilisent toutes les grenades qu'ils ont à bord. Ouais. Alors, à savoir que perdre une vie, c'est pas forcément dramatique. Tu recommences tout de suite. Tu recommences tout de suite et puis ça te fait juste une vie de glitch en moins au stage. Mais là, on n'est pas là pour faire un record du monde. Hein, donc, D'accord, oui, parce que normalement, tu utilises toutes tes vies plus tard. Ouais, pour glitcher, ouais. Ok. Et encore que sur le record du monde que j'ai fait, j'avais perdu une vie aussi, mais au base 5. Donc, finalement, c'est pas trop grave. Bon, le mieux, évidemment, c'est de pas en perdre et de glitcher sur 5 vies, quoi, mais... Bon, ça m'a suffi pour faire le record du monde, mais... Après, il y a un peu de marge dû à tous ces éléments random dont tu m'as parlé, ouais, les stages... Ouais, et puis surtout de la marge que je loupe quand même pas grand-chose dans le jeu, donc ça permet quand même d'avoir une certaine sécurité. Je savais que même avec une vie en moins, je pouvais y arriver, donc... Donc là, j'ai perdu une vie, c'est vrai que je suis pas habitué à jouer en live... Puis en plus d'habitude tu joues sur ta Neo Geo. Ouais, sur la Neo, ouais. Donc sur borne pareil, hein, j'ai pas forcément la place non plus d'avoir une borne chez moi, tout ça. Et donc c'est pareil, première fois que je joue sur borne. Il est encore long le boss ? Non, là on arrive à une deuxième phase de lâchage de bonus. Okay. Et pareil, donc là c'est au même endroit. Et ici, il peut y avoir un 10 000 aléatoire, pareil, hein, par ici à peu près. Et 10 000, ça représente beaucoup, mine de rien. Donc, ouais. C'est pas rien. Hein. Ah, c'est sûr que si tu l'as, ça aide. Hein. Moi, quand j'ai fait mon record, j'ai pas eu, mais c'est vrai que ça aide. Donc là, après, on va arriver au boss, au passage du boss 3. Donc là, je pense que j'ai récupéré tous les items. Ok.
Donc lui, c'est un peu dans le même genre que le boss du stage 2 en fait. Hein. C'est assez similaire. Ouais. Il est un peu plus rapide quand même, mais sinon c'est le même genre. Le style de tir est exactement le même. Ouais, c'est pareil. Rien, c'est pas évitant de se concentrer sur l'endroit où on tire et en plus son personnage qui est en bas. Enfin, c'est vraiment deux plans tellement différents. Oui, ça n'a rien à voir. Des fois, d'ailleurs, on part à droite, on anticipe à gauche. On ramène à gauche. En fait, on anticipe souvent. Donc là, j'ai le troisième stage bonus. Encore un stage bonus, ok. Non, le deuxième. Non, le troisième, pardon. Donc celui-là, il n'est pas trop vilain. Faut se concentrer sur celui du milieu en premier, puis après gauche, puis après droite. Hein. D'accord, histoire d'avoir un peu de marge, parce que là... Un petit peu attention au truc, et puis ramener... voilà. Donc là, normalement, il va pas tarder. J'aurais pas tardé à l'avoir, voilà. Ok. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, stage 4. D'accord, les choses sérieuses commencent, on va dire. Ouais, ça commence doucement, là. Ici, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de rien louper, parce qu'il faut rien louper quand même. Donc là, il va y avoir 2-3 petits trucs aussi. D'accord. Alors, on va commencer par les bonus qu'il y a dans le sigle là-haut. La sigle soviétique que tu vois, je sais pas si tu le vois là-haut. Ouais, je vois en effet. Au-dessus donc du là, hangar. Hop, voilà, là, il y a 2 bonus là-dessus. Pareil, bonus aléatoire ici. Donc, il y a quand même pas mal d'aléatoires. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. C'est quand même. Alors ici, faut essayer d'avoir le plus de bonhommes dans le fond là-haut. Ce qui te rapporte 200 points, il me semble, hein, par bonhomme. Donc plus t'en as, mieux c'est. Je reste un peu dessus. Hein. Donc. Ouais, donc ici, ce passage n'est pas forcément simple. Ouais, qui te balance des tonneaux en plus. Ouais, en plus. D'ailleurs, se protéger derrière, j'ai l'impression. Ouais. Alors ici, il va y avoir un. Non, c'est pas là, c'est le coup d'après. Là, je vais m'adresser un peu parce que. Vas-y. Sinon. On va reprendre le droit de dormir là. Voilà, alors là, il y a encore. Encore des bonus. Encore là-haut, hein, sur le cycle, toujours pareil. Voilà, alors ici, passage assez compliqué. Alors eux, il y aura pas des 1000, faut pas les louper. Après, il y en a encore 4 qui vont arriver. Avec des bonus 500, pareil, faut pas louper. Enfin, faut pas louper, on essaye de pas les louper, hein, après. On fait de son mieux, ouais. Et là, en fait, j'ai déjà utilisé à tort 2 bombes à fragmentation, j'aurais dû les garder. Mais bon, là... Ouais, il t'en reste plus qu'une, ouais, de ce ouais, que il m'en reste plus qu'une. Donc là, je vais l'utiliser là, parce que sinon, ça risque d'être un peu galère. Ouais, et donc, je vais pas pouvoir montrer ce qui était important de montrer, mais j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. D'accord, là, tu préfères jouer safe. Ouais, enfin, je fais un peu comme on peut. Là. Alors, t'as l'avion là-haut, qui, tu vois, je sais pas si t'as vu, t'as un avion bleu qui vient traverser l'écran. Ouais. Bon, on va le revoir, il y en a 3 dans le jeu. Ok. Donc là, pareil. C'est un hélicoptère qui t'a eu ? J'ai même pas fait. Non, c'est une bombe là. D'accord. Ah oui, là je l'ai. Donc là, ouais, j'étais concentré sur l'avion bleu qui passait. Et puis, donc là, oui, en fait, tu balances la bombe à fragmentation. On va quand même en parler. Hein, quoi. Et puis, ça permet d'avoir. Tu peux l'avoir qu'avec les bombes à fragmentation, c'est pour ça que j'aurais dû les garder. D'accord. Il y a des petits tips comme ça ouais. À savoir. Ouais. Donc là, on va arriver au boss. Ok. T'occupes d'abord des mecs au fond. Ouais. Puis ensuite, tranquille. Enfin, façon de parler. Ouais. Celui-là, il est pas forcément compliqué, en fait. Alors, c'est vrai que c'est quand même un exercice hein, de jouer comme ça sur une borne, de commenter en même temps. Ah, bah oui, non, mais d'ailleurs, si tu as besoin de te concentrer, n'hésite pas, concentre-toi et. Bah, de toute façon, on était parti sur un one crédit, donc je fais autant expliquer un maximum de trucs, même si je perds 2-3 vies. Hein. Et puis, pour que tout soit dit, quoi. Ouais, bah, plutôt que bien. Se concentrer, à la limite, de perdre qu'une seule vie, peut-être, et puis d'avoir loupé, de ne pas avoir dit la moitié des trucs. Ok, bah donc, de toute façon, on est sur un one credit, donc. Super, donc là, c'est un stage 5, là. Ouais, un okay. Stage 5, ouais. Oh, des nouveaux ennemis avec des lance-flammes. Ouais. Donc là, c'est pareil, ce stage commence à être assez. Alors, ce stage-là, là. Le truc qui est quand même très compliqué. Ouais. Alors ici, il y a une petite technique, c'est de ramener son viseur au minimum pour ah avoir oui, plus là, de portée. Est... Tu vois, il y a plus de okay. Portée, là je suis beaucoup plus tranquille.
Et là, je fais un peu. Là, je fais droite-gauche. Ouais. Et je suis peinard. Tu balayes tranquillement. Tranquillement, ouais. Donc, par contre, le boss, il est hyper compliqué. Le boss 5, il est hyper chaud, on va voir tout à l'heure. Ok. Donc, de toute façon, je vais te dire, même moi, quand j'ai battu le record du monde, j'ai perdu une vie au boss 5. Je le passe une fois sur deux, hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Ok. Par contre, bon, faut savoir, quand j'ai fait le record du monde aussi, j'avais absolument rien loupé. J'étais dans une partie vraiment. Une partie nickel. En lévitation, ouais. ça arrive pas. Genre de partie, tu sais, tu fais qu'une fois. Le truc où tout a marché nickel, ou ça se fait pas non plus comme ça sur commande. Quoi. Déjà c'est dur, et en plus avec une part de random assez élevée. Ouais. Donc... Bah là tout était bien, nickel, orchestré, donc... Mais après forcément on le fait qu'une fois. Hein, donc bon, le but c'est quand même faire un score pas trop mal, j'aimerais bien, on va voir là, si j'approche 1 million, pourquoi pas. Parce que mon record il est de 1 175 200, il me semble. Ok. Donc ça a été fait en décembre dernier, là j'ai fait ça en décembre dernier. Par contre, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas été battu quand même. Une vingtaine d'années il me semble, hein. 91 ouais. Ah oui, c'est pas tout jeune. Donc. Ouais, bah ça a été fait dans les salles d'arcade au Japon à l'époque, hein. À peu près un an après qu'ils aient sorti le jeu quoi. Okay, donc, après, c'est sympa d'avoir persévéré. T'es le seul joueur là-dessus ou il y a une petite... Il y en a une paire aux États-Unis là, t'as BBH, New Joman. Ouais, il y en a une paire qui joue quand même. D'accord. De scorer. En fait, ils ont tous arrêté parce que les stages bonus aléatoires, ça les a trop saoulés. Et puis, au bout d'un moment, ils en avaient marre, donc ils ont arrêté. Ouais, sinon, nul doute aussi qu'ils auraient pu très bien aussi bien faire mieux que moi, je pense. Enfin, du moins, moi, pour que ce soit parfait, il fallait pas que je perde de vie et puis que je fasse ma vie de leech sur 5 vies. Mmh. Et là, je pense que j'aurais été parfait, j'aurais été dans les 1 200 000. J'aurais battu le record de 24 000 points. Alors celui-là j'ai battu que de 500 en fait. Donc là on va arriver au boss 5. Donc ici une petite technique, là tu es diagonale pour... Donc là je vous promets rien, pareil, boss 5. On va essayer de perdre avec une vie. On va se concentrer. Vas-y, vas-y. Oh. Donc là faut se concentrer sur les bonhommes qui vont arriver en premier. Ok. Puis après si je peux montrer les barils, on va voir. S'il me restera un peu de vie. Donc là ça commence relativement mal parce que là il y a un timing très particulier à avoir. Et là j'ai complètement foiré déjà pour commencer. D'ailleurs, je vais même pas récupérer le 3000 qui est là-bas. Voilà, donc là, on y arrive quand même, là. Un peu de chance, hein. Donc là, faut que je me garde le bonhomme du milieu. Parce que lui, en fait, le bonhomme du milieu, si tu remarqueras, il tire toujours de la même manière. Ouais. Assez lentement. Non, il tire très vite, toujours de la même manière. Et donc, allez, bon, même si on perd une ou deux vies, mais je vais quand même montrer la phase de leech, hein, donc on prend des risques. Là, faut que je tire sur. Faut que j'essaye d'avoir les deux bonhommes de l'extrémité pour me garder celui du milieu. Et laisser celui au milieu en fait. Voilà, donc là, j'ai réussi pour l'instant à en avoir un. Alors là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Voilà. Ah, là, tu tombes dans le poison, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est vrai que là, parler en même temps en plus. Non, mais vas-y, c'est pas, vas-y, concentre-toi. Donc voilà, il va quand même montrer un peu le leech. Hein. Je pense que c'est important de montrer ça après. Voilà, parfait, donc on a gardé celui qu'il fallait. Okay. Plus que donc celui là, le but en fait, voilà, c'est de faire des barils après. Alors quand t'as toutes tes vies de leech, bah, tu t'amuses à te déplacer de la sorte et t'essayes de les barils. Parce que les barils rapportent du point en fait. 800. Et en fait, sur une vie, tu peux faire 22 000 points de barils, il me semble. Donc ça fait 150 000 points, non 140 000 points je crois en tout si t'as toutes tes vies là. Donc si t'arrives là sans perdre de vie, tu passes cette phase là, ben, tu fais 140 000 points. D'accord, donc grosse prise de risque au départ pour avoir un bon setup et ensuite tu leech avec toutes tes vies les barils. Ouais c'est ça. Le record du monde il a été fait avec les 5 vies de leech, hein, donc le gars avait tout utilisé. Okay. Moi j'ai fait avec 4. Bon. Comme quoi il y avait encore de quoi gratter un peu de points. Ouais je pense que j'ai quand même pas mal gratté dans le joueur lui-même, donc après... Ce qui fait que ça va quoi, ça rend les choses quand même. Je veux dire, s'il est battu un jour, si j'ai le courage de m'y remettre, enfin on verra. Avis au challenger. Pas sûr. Le défi est lancé. Mais admettons, j'ai le courage de m'y remettre. Bon, j'ai quand même 20 000 points en réserve au cas où, je sais. Donc, okay, voilà, ça fait un petit temps, pareil, je m'étais pas trop entraîné. J'ai fait une paire de parties ce week-end, mais j'ai pas trop eu le temps non plus, donc c'est pour ça. Non mais écoute c'est cool là déjà on voit bien. Et donc en moyenne ça dure combien de temps cette phase de leech si t'arrives à le faire parfaitement? Alors sur 4 vies c'est 8 minutes et puis sur, 8 minutes ouais, sur 5 vies c'est 10 minutes je crois. D'accord. Ouais, la vidéo que j'avais fait sur 5 vies était à 40 minutes, ouais c'est ça, 8 et 10. Donc 10 minutes sur 5 vies. Ok, bon ça va c'est
Voilà, c'est ça, tolérable. C'est... Bon, et puis là, ça permet, on va pas s'endormir dessus non plus, je vais juste faire une vie. Hein. On va voir les missiles géants pour montrer ça quand même. D'accord, parce qu'au bout d'un moment, le jeu va te dire... il va dire pas, stop. Quoi. Voilà, il va dire t'arrêtes de gratter des points. Voilà, il y a du monde qui veut jouer derrière. on n'immobilise pas la borne. Voilà, donc voilà, donc il t'envoie des missiles direct, tu peux rien faire. Ouais, tu peux pousser le vis en te déplaçant un peu, en essayant tu de gratter. Tu peux en esquiver un petit peu. Tu peux, ouais, essayer de gratter un ou deux barils, mais c'est vraiment pousser le vis. Hein. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ils vont finir par t'avoir. Ouais. Ils sont prévus pour te... Mais là encore, quand j'ai fait le record, j'ai un peu poussé le vis, j'ai quand même réussi à avoir 2-3 barils qui me sont bien précieux à la fin, parce que j'ai battu que de 500 points le record quand même. Ouais, donc... Donc oui, tout a été quand même important, quoi. C'était tendu, d'accord. Donc on va pas s'éterniser, moi je veux me garder une vie quand même, hein, pour passer le dernier ouais, niveau. Ouais, bah écoute, vas-y, hein, mets fin à ce pauvre boss là tout seul. Voilà. Ok, bien joué. J'ai vu que tu tirais parfois sur la nana en haut, ça fait quelque chose ou... Ouais, elle si tu tires 3-4 fois dessus, elle te rapporte une bombe, il me semble. C'est juste une bombe, donc ça sert franchement non, pas. C'est, ouais, c'est toujours ça, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est pas forcément... C'est un peu comme le coup de la nana qui vient, ça sert à rien. C'est juste pour faire beau. Ouais, ok. Bon, là, on essaie de se concentrer, parce qu'il faut quand même passer... Là, c'est le last stage, là, on est au dernier. Ouais, dernier, ouais. Bon, ok. Donc celui-là, pareil, c'est pareil. Hein. C'est pas forcément évident de le passer comme ça. Là, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ok, ok. Ici, c'est pareil, un timing particulier, là, tu vois. Enfin, faut dire que le problème, en fait, c'est que moi, je me suis vraiment focalisé dans le jeu pour faire du point. Oui. Donc, en fait, là, je peux pas me faire autre chose que, même là, en jouant tranquille, je reprends les mêmes techniques que sur les bases du record du monde. Donc, en fait, je prends forcément beaucoup de risques, quoi qu'il en soit, en fait. Alors que je pourrais jouer plus safe en laissant des ennemis passer, mais après, ça me referait décaler plein de choses et... T'as tes habitudes, t'as tes chemins, tes timings... Voilà, je serais un peu perdu. Donc, je suis obligé de prendre des risques à gogo, en fait, hein, même en jouant comme ça. Non, je comprends. C'est vraiment deux façons différentes de jouer, le score et la survie. Et quand tu t'habitues à jouer au score, bah, même... Ouais. C'est dur de jouer 100% safe. Tu vois, là, je récupère les bonus comme si j'étais sur une partie vraiment concentrée chez moi. J'ai pas d'autre chemin, en gros. Hein. Je suis obligé de faire comme ça, presque. Écoute, c'est tout à ton honneur et vas-y, vas-y. Donc là, bon, on en a dit pas mal. Alors ici, tu vas avoir une vie up à un moment. Ah, caché? Ouais, là, dans le camion... Voilà, donc, le camion, pardon, l'avion. Cet avion, ouais. Un avion bleu, tu vois, c'est très... Oui, j'en ai pas vu beaucoup. Ça court pas les rues, quand même. Non. Bon. Hop. Donc là, on va pas tarder à arriver à la fin du stage. Ah ouais, donc il est intense, mais court, enfin, j'ai l'impression. Ouais, il est assez court, quand même. Donc j'ai récupéré une vie, là, ça me ramène à deux. T'as donc deux vies cachées, comme ça, dans tout le jeu, ou t'en as même d'autres? Deux. Deux, ok. Boss 3, et puis boss... Puis là, hein, celui-là, là. Donc là, il y a quelques passages pas forcément évidents comme celui-là. Hop, on libère la demoiselle. On va essayer de... Voilà, là, on va arriver à la fin, normalement. Donc, on va essayer de se concentrer un minimum, quand même. Vas-y, vas-y. Après, l'avantage de connaître le jeu, c'est presque qu'on peut parler tranquillement en jouant dessus, en fait. C'est... Oui, ça... Ça montre à quel point tu connais le jeu et ouais. Même si bien sûr tu n'es pas concentré, ce n'est pas ton maximum, tu peux quand même tenir une conversation. Et... Ouais, non, là de toute façon pour faire du scoring, on peut pas là, en conditions comme ça. Alors là ici, il faut tout de suite se concentrer sur le mec qui arrive à gauche. Ok. Et ensuite on va redécaler, donc on arrive au dernier boss, hein, syndrome handicapé, Final Fight. Ça me rappelle, ouais, ça me rappelle quelque chose. Classique, hein, classique, handicapé. Sauf que lui, il a un sacré fauteuil roulant, il rigole pas. Non, lui, il est relativement chiant quand même. Puis, alors, l'intéressant, c'est de garder, pas perdre de vie pour garder son tir rapide et puis la nana qui est là également. Donc là, les filles, donc, elles, oups. Alors là, c'est risqué ce que j'ai fait là quand même. C'est passé, on va dire c'est que. Passé, c'est mais... du skill, c'est du skill. Ouais. Voilà, boss final. On va essayer de l'avoir. Donc là je vais faire un score de 950 000 si je le finis là. Ce qui est correct, hein. Correct. Le meilleur score de BBH par exemple c'est 980 000 il me semble. Hein. Ok, bon ça passe. Ouais, c'est raisonnable. Hein. C'est plus que propre. Hein. Sur le forum NeoGeoFan.
Le meilleur score, c'est bah c'est moi. J'imagine. Et puis sinon le deuxième, il a 930 000 il me semble. Mais il tire des trucs à une vitesse hallucinante. Oui, hein. Et puis alors là, je te parle et tout ça, mais j'ai eu deux coups de cul déjà. Parce que là, franchement... Vas-y, concentre-toi. Finissons-en. Il est bien résistant aussi, donc... Il est quand même assez saoulant. Donc ouais, score correct, bon, objectif tenu. Essayer de parler du jeu au maximum. Sur le but, c'est quand même de présenter le jeu. Après. Complètement, c'était très intéressant. Donc c'est quand même des super jeux, d'autant qu'il est assez rare. Et puis c'est bien prenant comme jeu. Hein. Quand tu joues, t'es bien... Ouf, nice. Passé vraiment... Bien joué. Bien joué. Quand tu joues, t'es vraiment pris dans l'ambiance... Pardon. T'es pris dans l'ambiance... Pardon. L'émotion, tout ça. Tout ouais, ça. Ouais, voilà. Donc c'est bon, j'ai fini mon jeu, ça va. Je t'avoue que c'est pas forcément évident. Non, mais c'est super, tu nous as bien expliqué les principales techniques, etc. C'était super intéressant et en tout cas, bien joué. Ouais, bah merci. Bien joué. Objectif tenu. Ouais, pareil tenu. One credit, score potable. Ok, et tu continues d'y jouer ou pour le moment tu l'as mis de côté? Non, là, depuis que j'ai fait le record. D'ailleurs, c'est presque... Quand tu finis un jeu comme ça, après, t'as plus trop envie de t'y remettre non plus. Bah, une fois que t'as le record, et puis, c'est... tant que personne vient de déloger, je pense que c'est dur de progresser, en fait. Faut qu'il y ait des challengers, sinon tu... Puis quelque part, tu te dis, ça y est, t'as fini un truc, en fait. Oui, t'as fini un livre. C'est un accomplissement personnel et tu tournes la page, quoi. Ouais, tu tournes la page. D'ailleurs, c'est assez malheureux parce qu'en fait, après, quand tu... Bon, après, tu peux y rejouer comme ça, mais pour l'instant, j'y rejoue pas trop. Je pense que je referai une paire de parties pour m'amuser. Ouais. Après, évidemment, mais... Bah, c'est vrai qu'il y a un truc qui se termine, quoi, tu vois. T'as passé beaucoup de temps dessus, puis après... Tu joueras beaucoup moins, et puis quelque part, c'est un peu nostalgique comme sentiment. Ouais. D'ailleurs, tu joues depuis combien de temps? Tu joues pas depuis sa sortie, quand même. Ah non, du tout. Non, moi j'ai commencé à jouer il y a un an et demi, me semble. Ah, d'accord, donc tu t'es mis dessus en mode sérieux. Et ouais, tu... voilà, boire un crédit tous les jours, et puis une demi-heure tous les jours. Ok. À peu près, quoi. Cool. Enfin, tous les jours, du moins, parce qu'on n'est pas non plus. Hein. On se comprend. Voilà. Ok. Bon bah bravo à toi. Hein. Bah merci. On va quand même le montrer parce qu'on a oublié de le montrer au début quand même. Mais la boîte originale du jeu, donc là c'est la version AES. Ouais, donc européenne. On peut voir un coup de feutre dessus. Voilà, ils ont quand même payé des gens en Europe pour mettre des coups de feutre sur la poitrine et la jambe de la demoiselle parce que ouais, ça devait être un petit peu trop violent, je ne sais pas. Bref, enfin, une belle pièce de collection. Quand même, hein, mais... Ouais. Voilà, bon bah en tout cas encore bravo pour ta perf. Bah, et puis merci. Bah peut-être sur un prochain jeu, qui sait? Bah on verra. Ok, on verra, ça marche. En tout cas merci beaucoup d'invitation. Eh ben de rien, allez, à la prochaine. Ok, à la prochaine. Salut.